International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe. Salut les nouilles, c'est nous, bienvenue dans la saga jeu vidéo ludique pour les gonzales, nous retrouvons notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé Vieille Station, et aujourd'hui on s'attaque, comme il l'a très bien dit dès le début, International Superstar Soccer Deluxe, qui était sorti sur Super NES et Mega Drive et qui a été porté un petit peu plus tard sur PlayStation, et nous voilà, puisque les 20 ans, en pleine Coupe du Monde, on est là. Bon, il est sorti un petit peu avant, mais on le fête maintenant. Regardez-moi tous ces joueurs de la saga International Superstar Soccer, qui ne faut pas confondre avec Goldstorm, qui deviendra plus tard International Superstar Soccer Pro, qui donnera après les PES. Donc c'est un petit peu le schmilblick, puisque c'est exactement le même nom, c'est exactement le même studio, puisque c'est Konami qui le fait également. Mais pour éviter la confusion plus tard, ils appelleront la série PES, donc Pro Evolution Soccer, International Soccer Pro Evolution, voilà. Donc ils appelleront ça plus tard. Mais on a déjà vu du PES sur Vieille Station, mes petites pattes, avec Goldstorm déjà, qui obtiendra toujours ce même nom, ça c'est très rigolo. Et également Winning Eleven, puisque c'est le nom d'origine Winning Eleven qui a donné après PES. Voilà, vous savez tout, mes petites pattes, et on va s'attaquer à ce jeu qui a l'air fantastique, mes petites pattes. Et voilà, petit chargement, hein, on est sur PlayStation, tout ça c'est normal. Et vous allez voir que nous sommes en pleine compétition internationale. Alors le jeu est en anglais, hein, pour le coup, on a le choix avec juste un match comme ça, donc c'est ce qu'on va faire. On a un scénario, on a un tournoi, on a une ligue à l'international et les séries mondiales. Ensuite, on a aussi les entraînements et les options, ainsi que si on veut sauvegarder. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, mes petites pattes, puisque nous sommes sur International Superstar Soccer Deluxe. Moi je l'appelle comme ça, mais c'est Deluxe. Toujours la petite option. Vous voyez bien que c'est la version PlayStation. Là pour le coup, mes petites pattes, on peut faire CPU face à CPU, donc la PlayStation qui joue toute seule au niveau du match, comme ça on peut parier tranquillou bilou. Et voici enfin les équipes qu'on va pouvoir jouer. Donc ça c'est les équipes internationales, on est sur l'Europe, donc Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Allemagne, Italie, Irlande du Nord, qui a presque le même drapeau. Hein. Mais là il est, voilà, là il est bien différencié, ça fait plaisir. Ensuite avec R1, puisque vous pouvez appuyer sur droite, mes petites pattes, vous aurez rien. Vous aurez que ces 6 équipes là, avec, je vois, le panneau qui s'affiche. Regardez en haut à gauche, ça c'est cool. On a les différents maillots et tout. Ça c'est quand même bien. Et ainsi que les niveaux en haut à droite, mes petites pattes. Donc là vous voyez que l'Italie et l'Allemagne face à l'Irlande du Nord ou l'Écosse. Voilà, on n'est pas sur Jonalomu Rugby pour le coup au niveau de ces talents là. Ensuite l'équipe de France, regardez-moi ce magnifique maillot. Hollande ou Pays-Bas ou Néerlandes ou bon, Norvège, Portugal, Irlande, donc République d'Irlande du coup. L'Espagne ensuite, Europe 3, Europe 2, c'est vrai qu'on faisait les radios tout à l'heure. Ensuite la Suède, la République Tchèque, le Danemark, la Pologne, la Belgique, l'Autriche, Europe 4, la Roumanie, la Russie, la Bulgarie, la Grèce, la Croatie, la Suisse qui des fois est CH parce que communauté helvétique. Ensuite Asie-Afrique, là on mélange, ok, on mélange deux continents d'un coup alors qu'on avait 4 pages pour l'Europe. Ok, Japon, Nigeria, Cameroun, Turquie, Corée du Sud et Maroc. C'est peut-être les équipes qui étaient qualifiées pour la Coupe du Monde 1998, on ne sait pas, mais c'est peut-être Brésil, alors ça c'est les Amériques, ok, Brésil, Mexique, les États-Unis, Argentine, Colombie, Uruguay, et on revient là-dessus. Alors on va prendre l'équipe de France juste par curiosité pour voir les noms qui sont quand même fandards, mes petites pattes, vous allez voir ça tout de suite. Donc ça c'est l'adversaire, on choisit l'adversaire, on peut se faire un France-Brésil ou quoi. Ou peut-être une équipe qu'on a vraiment pas l'habitude de voir sur Vice Station, là on va essayer de voir ça. On va peut-être prendre le Cameroun, je crois qu'on l'a pas, non on l'a pas vu. Et ce qui est bien c'est qu'au niveau de l'équipe, vraiment il y a du détail. Et là voilà, le point fort de ce jeu, c'est que on peut choisir les terrains, alors ça c'est absolument disponible partout, mais en fonction de l'endroit et du stade que l'on choisit, les mesures sont pas les mêmes. Et là c'est important parce que c'est vrai qu'un stade de foot ça n'a pas de mesure définie, ce n'est pas un mètre étalon, c'est en fait 90 et 110 mètres par là. Et en fait quand on dit ça mesure en 3 stades de football, et ben à partir de 5 on a un stade de foot d'écart. Donc c'est vraiment pas précis, donc il faut peut-être penser à ça. Regardez, on a 74 yards ici en Allemagne, et là on est sur du 90. Donc vous pensez bien, avec petite patte, que si on mesure un terrain de football, bah, y a des données qui peuvent être un petit peu erronées en fonction du stade que l'on choisit. Donc on va faire ça, ouh tiens, parce qu'il y en a pas mal là-dessus, on va essayer de... Pata do Brasil, ça me paraît bien. Alors de la neige, non, non, on fera ça peut-être plus tard, mes petites pattes, on va voir. Avec un temps et un climat, ma foi, sympathique, on va pas se mettre d'handicap, on va mettre en mode facile.
Ouais, 11 joueurs, c'est vrai qu'on peut se mettre à 7, 8, 9, 10. Voilà, on a les handicaps, c'est-à-dire qu'on peut pas aller en deçà de 7. Donc c'est très bien. Ensuite, on est fort, donc on va se mettre à 11. Goalkeeper skill, voilà, il est bien. Et on va se mettre là-dessus, mes petites pattes, je pense que ça me paraît bien. Ensuite, on peut appuyer sur select pour changer un joueur, deux joueurs, parce qu'on peut se jouer à deux, bien entendu. Il y a plein de choses à dire sur ce jeu. Et on va voir au niveau des joueurs, voilà, ça c'est rigolo. Regardez bien, mes petites pattes. On n'est pas sur FIFA, donc on n'a pas les noms. Donc on a Didier, on a Lablanc, on a David 2, le Comte, j'imagine que c'est le Comte, le Roux, Dupont, Thierry, Louis de Funès, Royer, Dubois, et donc Royer, j'imagine. Maintenant, Royer. Et si on a les autres joueurs, peut-être, ça pourrait être sympa, avec les remplaçants. Non, on est en 4-3-3, là, vous le voyez, mes petites pattes. Ah, ça y est, Calvier, hein, c'est bien ça, Arnaud, Morceau, je l'imagine, Cailleux, Séban, Marais Lafitte, Pascal et l'évêque. Si avec ça, on gagne pas, mes petites pattes, je sais pas comment on peut gagner. Allez, c'est parti, exit en haut à droite. On appuie sur la touche 3 pour valider, comme d'habitude. Et game superato. Et du coup, France-Brésil... Non, France-Cameroun au Brésil, c'est plutôt ça, GameStar, à 13h, bah très bien, écoute. Eh ben on est parti, mon kiki. Et vous allez voir, mes petites pattes, que autant le jeu est en anglais, autant les commentaires sont très très bons. C'est vraiment, je sais pas combien d'heures ils ont enregistré au niveau des commentaires, mais ils commentent tout le temps, pire que moi. Écoutez ça, mes petites pattes. Like action, you're in for a treat here. The sky is clear today, so we can look forward to some sharp play out there. Alors ce qui est bien, c'est qu'on choisit pour commencer au pile ou face. C'est vraiment très précis en fait comme jeu, il est génial. Donc pile ou face, le petit aigle, on se fait plaisir. Et attention. Et donc c'est le Cameroun qui choisit où, de quel côté il va jouer. J'allais dire où, en fait c'est au Brésil. Et c'est parti mon kiki, voici les Français face aux Camerounais qui sont en train de jouer. Alors... pour se jouer, on appuie sur les flèches directionnelles, tranquillement. Oh, déjà un beau tir. Ça a même pas commencé qu'il y a déjà un beau tir de la part... regardez le détail. Non, mais il est fou ce jeu, il est fou parce que graphiquement, on est quand même sur de la 2D. Ça on se le cache pas. On est vu isométrique de côté. Enfin, au niveau des perspectives, c'est vrai qu'elles sont complètement fausses, mais elles ne gênent pas le jeu. Vous voyez en bas, mes petites pattes, que il y a le terrain vu de dessus avec les petits points, les bleus contre les rouges. Hein, ça, jusque-là, c'est normal. C'est comme au baby-foot. Ah là, je l'ai vite relancé. Et vous voyez qu'il y a un cercle au niveau du joueur qui a le ballon qui est sélectionné. C'est-à-dire que quand on est en phase offensive comme ça, bon, ben celui qui a le ballon... Oh là là, le beau dribble! Oh, c'est du beau jeu! Et oh là là, attendez, mes petites pattes. On va essayer de faire un joli centre là-dessus. Petite tête peut-être. Oh, petite tête du Camerounais qui fait plaisir. Donc là, il y a Mehdi face à Dupont. Alors, les noms sont pas les bons, hein, de toute façon. Donc ça, c'est très marrant. D'ailleurs, la version Mega Drive, puisque je vous ai dit qu'il est sorti sur Super NES, il est aussi sorti sur Mega Drive, mes petites pattes, et donc Genesis, en fonction des amateurs de Phil Collins. Mais c'est surtout que, en fait, au niveau des joueurs, il y avait les joueurs français. Hein. Je sais pas si c'était le cas dans les autres pays, mais en tout cas, pour les joueurs français, il y avait les noms des journalistes de jeux vidéo de l'époque. Donc, le rédacteur en chef de maintenant Gameblog, Gamekult, etc., etc. Donc, c'est très marrant à voir ça. Je vous conseille de jeter un œil là-dessus, mes petites pattes. Mais en fait, je sais pas si c'était pour flatter l'ego pour avoir des bonnes notes. En tout cas, il n'y a pas besoin, hein, puisque ce jeu est très bon. Vous voyez qu'au niveau de l'impact, oh, le vent dans les cheveux et tout, il est bourré de détails ce jeu, il est incroyable. Donc là, c'est qui? C'est Louis de Funès. Louis de Funès, on n'a jamais vu Louis de Funès avec autant de cheveux. Attention, on va essayer de tirer avec la touche triangle. Oh, c'est bien arrêté. Oh, on va peut-être la récupérer, oui, petit hors-jeu, attention. Et on tire, oui, donc on tire avec la touche triangle. C'est vrai que c'est pas... ben en fait, c'est adapté aux touches de la Super NES, mes petites pattes. Parce que... donc Konami a fait ce jeu pour la Super NES. Et du coup, comme c'est Konami... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce cachou? Vous voyez, les journalistes, les photographes, c'est vraiment génial ce jeu. Ils ont pensé à beaucoup de choses. Donc là, coup de pied de coin. Vous voyez que c'est au niveau des flèches, c'est la direction. Ah, on peut changer de côté. Non mais c'est génial. Oh, il a tiré vraiment, il a essayé de faire un corner direct. Arrêt du gardien, Didier. Didier, tranquille. On a vu que le Camerounais était complètement au sol.
Bon, ben, c'est pas grave. J'espère qu'il sera pas trop blessé. En tout cas, il aurait pu... Oh, la petite pichenette, vous avez vu, on l'a poussé dans le dos. Donc là, j'ai appuyé sur la touche triangle, alors que j'aurais dû appuyer sur la touche croix. Ou cercle qui fait un tacle un peu plus appuyé. Donc là, faute très logique, coup franc. Est-ce que le mur est à 9 mètres? Je ne sais pas, mes petites pattes. En tout cas, on va essayer de se mettre juste devant. Oh là là, c'est bien, mais c'est un peu mou. Donc, je disais que c'était Konami qui avait fait ce jeu. Et qui dit Konami dans les jeux Konami, surtout en 2D à cette époque, dit le code Konami, vous connaissez. Oh, oh, bah, bah, gauche, droite, BA, ça, vous le connaissez, mes petites pattes. Eh bien, si on fait ça sur la version Super NES, il paraît que le code est disponible aussi sur PlayStation, mais je suis pas arrivé à le faire, mes petites pattes, donc on verra ça plus tard. Mais, en fait, il y a un aboiement qui se déclenche avec la manette 2, oui, c'est ça, avec la deuxième manette. Vous faites le Konami code sur l'écran titre, et en fait, il y a un aboiement. Et en fait, tous les arbitres deviennent des chiens. Alors, je sais pas quel est le message là-dedans, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, il y a le dog mode. Je sais pas s'il est dispo aussi sur Mega Drive, en tout cas sur Super NES, c'est clair. Donc, le temps défile petit à petit. Je pense qu'on a fait des mi-temps de 4 minutes. J'ai pas eu le temps de voir mes petites pattes. En tout cas, il reste 1 minute 32, mais réel, hein, bien sûr, sinon ce serait déjà terminé, ce sera déjà bouclé, puisque ça fait quand même 45 minutes. Oh oui! Tire sympathique! Mais un peu trop dans le gardien, un petit peu comme cette défense là. Oh là là, en main de balle. Oh là 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 là, Didier est vraiment super fin. Heureusement qu'on a mis 5 sur 5 au niveau de la forme avant de commencer à jouer mes petites pattes, et que l'équipe aussi est pas mal. Et si on appuie sur carré, je crois qu'on peut dribbler. Regardez ces magnifiques dribbles. On martèle la touche carré et voilà. On est au Brésil. Brésil. La 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 la. Regardez-moi ça. Ah bon, alors je me suis fait reprendre par Abombé qui m'a bombé dans le torse. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, on va peut-être la récupérer ici avec un tacle un petit peu appuyé. Non, 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 c'est mort. Par contre, on ne peut pas sélectionner ces joueurs. C'est-à-dire que le joueur qui est le plus proche du ballon ou du joueur qui a le ballon est sélectionné automatiquement par la PlayStation ou par le jeu. Ah, c'est une sortie du gardien Didier qui est quand même l'homme du match. Et c'est vrai que les commentaires sont très rigoureux et surtout très présents. Donc ça ça fait plaisir. Donc c'est vrai que je disais International Superstar Soccer Deluxe. Donc là eh bien en fait la série marquera un tournant. Donc Cold Storm existe déjà, et donc là ça va être marqué vraiment pour les autres pays que le Japon. Donc pas Winning Eleven mais International Superstar Soccer Pro, puisqu'après il y a ISS hein, qu'on appellera ISS après. Et bien en fait ISS Pro, c'est un jeu complètement en 3D et qui sortira vraiment juste après. Hein. Donc je pense que c'est le prochain jeu de foot qu'on fera, mes petites pattes, donc dans très peu de temps. Oh là 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 là, c'était beau. Petit corner, sans souci, comme dirait le milieu défensif. Quand on voit, c'est le numéro 6. On va essayer de faire une longue passe ici. On est dans les arrêts de jeu, mes petites pattes, temps additionnel. Attention, on va essayer de marquer un but. Oh là là là. Oh, il me l'a pris dans les pattes. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut tacler le gardien? Voilà, ça c'est depuis FIFA. Le Yenoub, il fait toujours ça. Alors on a essayé de tirer. Encore une passe longue, peut-être un tir là. On se les fait reprendre, bien joué. Monsieur l'arbitre a vu tout cela. Il a l'œil aiguisé. Et on va essayer de défendre pour le tout, pour le tout, pour la mi-temps. Et sortie du gardien peut-être. Oh oui, Didier on t'aime. Donc Cameroun, donc c'est marqué en anglais hein, vraiment. C'est pour ça qu'il y a deux O et France. En tout cas les drapeaux sont respectés, les tenues sont respectées aussi, puisque l'équipe de France avant 98 hein, avant d'arborer le même maillot que pour le premier Euro finalement hein, c'était le Revival qui est ressorti trois fois je crois dans l'épopée de l'équipe de France de foot. Et bien arborer ce maillot avec cette grande bande. Et jolie sortie. La défense est là hein, ça fait plaisir. Ah voilà, vous avez vu la petite croix blanche hein, quand le ballon rebondit ça. Oh, il m'a sauté. Oh, puis dribble. Oh, il se moque complètement. On va peut-être ne pas chercher le penalty, mais c'est interminable cette mi-temps. Regardez-moi ça, cette première période plutôt, puisque la mi-temps c'est vraiment, ça prend bien son nom, c'est entre les deux périodes. Oh, l'arbitre de touche, de l'arbitre de ligne qui court façon Forrest Gump. Regardez-moi ça, mes petites pattes. Oh là là, mais le Cameroun est en feu là hein. C'est incroyable. Ils vont marquer un but avant la... Non mais c'est fou, c'est complètement fou. Donc on va essayer de temporiser un petit peu. Voilà, on appuie sur cercle pour faire une longue passe. Le terrain est très très grand, mais comme je disais hein, les perspectives sont fausses, mais c'est pas très grave. La 2D ne gêne pas, contrairement au FIFA je crois que c'était 96 qu'on avait fait hein, mes petites pattes. Oh, il est à pied. Oh, il est à pied. Ah, voilà, bon, c'est la mi-temps. On a vu que les seuls éléments en 3D c'était les lettres finalement, que ce soit halftime, corner kick et tous ces trucs là pour nous indiquer les faits marquants du jeu. Alors, mi-temps, peut-être un petit chargement comme sur les jeux de basket. Non, donc 13 tirs à 5, mais aucun de cadré quoi. C'est tout à fait logique. Si, un carton jaune, puisque je l'ai un petit peu poussé très très fort, mais un petit peu dans le dos. GameStar, alors qu'est-ce qu'on fait?
Non, ça m'a l'air bien. C'est vrai qu'au niveau des boutons, oui, c'est vrai, au niveau des contrôles, est-ce qu'il y a d'autres changements? Donc, c'est ce que je disais, cercle, c'est pour faire des longues passes, les petites passes avec la touche croix, on tire avec triangle et on accélère ou on fait des dribbles avec la touche carré. Keeper, donc ça c'est le gardien, il est en automatique, il est très bon hein, puisqu'il est en super forme, donc on est cool. Et au niveau défense, c'est pareil, ouais, c'est pareil. Et vous avez vu qu'il y avait L1, L2, attendez mes petites plates, vous pouvez revenir en arrière, mais pas de mon côté. Contrôleur opération, on tourne les pages en appuyant sur L1, L2, R1, R2, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Allez, on est reparti pour la seconde période, mes petites pattes. Et non pas la deuxième mi-temps, parce que du coup la deuxième mi-temps inclut une troisième mi-temps avec pas mal de blabrailles. Et c'est le Cameroun qui attaque, donc on change de sens mes petites pattes, un petit peu comme dans le Uno, qui est également sorti sur PlayStation. Oui, c'est une anecdote, assez sympathique. Allez, les cheveux dans le vent, regardez-moi ça, il est parti, il est frais. Ah oui, la touche carrée, ah oui, c'est vrai que la touche carrée, quand on enfonce, ça permet de faire de grosses poussées de vitesse. Mais si on martèle la touche carrée, eh bien on dribble, on ralentit mais on dribble, regardez-moi ça. Hop hop hop, ah oui, ça fait plaisir. Et là on accélère, on dribble, on accélère. Donc n'oubliez pas mes petites pattes que le seul moyen de marquer un but de mon côté, c'est de rentrer avec la balle. Donc c'est bien des mi-temps de 5 minutes hein. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, et là on tire. Oh, c'était beau. Il fait de belles parades hein, quand même hein, le gardien camerounais. Je ne sais pas qui c'est du coup, parce que c'est vrai que ça aurait dû l'indiquer, bon, c'est pas grave. Alors on change de côté avec, comme ce qui était marqué tout à l'heure, avec le bouton R2. Et on fait la grosse passe. On va essayer de mettre une grosse tête, de faire une reprise de volée, mais ça va directement. Ouh, la grosse faute. Ça aurait été dans l'autre sens, je te dis pas le péno. Alors free kick qui est un coup franc, tout simplement. Alors que c'est un coup libre finalement. Et on va essayer de récupérer cette balle. On a une grosse défense solide, on est en 4-3-3, je le rappelle. Oh là là, le gardien passe. Oh, et c'est le but. D-O-A-L. Oh, il lève le doigt d'honneur alors que normalement c'est l'index et ça fait 1-0. Regardez-moi ce ralenti qui est en fait à vitesse réelle sans aucune interface. Oh là là là, c'est magnifique. Il n'y a pas effectivement d'autre angle de caméra puisque nous sommes sur un jeu en 2D. Hein. Mais c'est déjà super fluide, très léger. Et détaillé. Ah, attention, tire. Oh, on va essayer de récupérer. Oh non. Non, c'est un défenseur qui la reprend dans la surface tranquillement. Il fait même pas de grosse louche vers le devant. Bah, de toute façon, ils ont pas besoin. Regardez les petits points bleus et rouges au centre, en bas, mes petites pattes. Ça se déplace, c'est beau. C'est très très beau à voir et je pense que... Oh non! Oh ben non! Voilà, en fait je disais que c'était bien d'avoir laissé le gardien en mode automatique parce que à chaque fois que je le contrôle, de toute façon ça va directement dans les pieds de l'adversaire. Oh, c'est un corner! C'est un corner, c'est parce que la touche était dans le terrain mais j'ai fait rebondir le ballon sur mon torse et de ce fait ça renvoie directement en coup de pied de coin, en corner. Oh là là, ça sent le deuxième but, mes petites pattes! Oh non! Mais le gardien Didier est là avec un beau tir de Logi. Logi. Bon, je peux récupérer la balle quand même. Oui, on va y arriver, voilà. Donc on peut se mettre façon perspective comme ça, hop, on le dribble. On le dribble, ça passe très très bien mes petites pattes. Oui, là on est bien, on est en solo. On est en solo, on tire. On retire, oh mais ça ne passera jamais. Attends, là je la... Oh non, ça c'est la passe. La passe de trop mes petites pattes. Ici c'est pas mal. On temporise le gardien, on essaie de tirer, on tire dans les tibias des autres, c'est magnifique. Et lui, il a maîtrisé les arts martiaux puisqu'il maîtrise le coteau, c'est logique. Alors lui déjà, mais c'est lui qui avait marqué tout à l'heure. Je sais pas, en tout cas, il est très présent au niveau de l'attaque. Et je fais les petites passes pour remonter tout ça. Parce que on peut essayer de voir que l'attaque... notre. Oh là là, non, c'est mort, voilà. En fait, l'attaque... En fait, ce que j'essaie de faire avec ces petites passes, c'est que toute l'équipe remonte d'un bloc pour avoir le maximum de joueurs en attaque sans créer de hors-jeu et de ce fait créer des pièges pour le gardien. Donc là, tirer. Oh, mais non, si je me fais reprendre, tirer d'un côté pour après faire une passe en retrait et une fois que le but est vide, essayer de rentrer la baballe. Donc on va essayer de faire ça, mes petites passes. C'est pour ça que je fais des passes courtes parce que sinon il n'y a que deux joueurs et toute la défense est déjà là. Donc c'est pas trop la peine. Voilà. Les petites astuces du Yenoul. Bon, ça fait une touche. J'ai pas vu les gradins en fait, c'est vrai. On a vu les photographes, les journalistes, mais j'ai pas vu. On va voir ça tout de suite, mes petites pattes. Parce que c'est vrai que comme il est fou en détail, sur les commentaires, les cris aussi, hein. Y a pas que les miens. Y a aussi la foule qui est en liesse. Alors attention. Oh, c'est le deuxième but! Et c'est vrai que même quand y a but, en fait, on voit pas. L'angle de vue n'est pas assez lointain.
pour voir les spectateurs. Donc ça, c'est peut-être aussi l'objectif d'être un jeu super fluide, hein, peut-être. Peut-être ça, il y a peut-être de ça. Mais alors attention, là c'est pas mal, attention. Oui, oui, c'est pas mal. Oh, on la reprend, on tire. Oh, double arrêt, attention. Oui, belle défense, ça fait 3 fois, c'est magnifique. Et heureusement que, entre guillemets, le Cameroun, parce que, imaginez mes petites pattes, vous avez vu dans les barres, des statistiques, hein, c'est pas la meilleure équipe, c'est pas la plus mauvaise non plus, mais c'est pas la meilleure équipe. Alors, t'imagines bien face à une Allemagne, une Italie ou un Brésil, surtout à domicile, attention, on tire, oh c'est dommage. Et c'est vrai qu'il y a personne pour reprendre après la parade, parce que, on est d'accord, il fait toujours les mêmes arrêts, les mêmes parades, hein, le gardien, donc... je sais pas comment ça se passe, si on peut mettre des joueurs comme ça. Mais les dribbles, ils sont fous hein, dans ce jeu-là. Il y a beaucoup d'animation. C'est très très bien animé, c'est très léché. C'est, ça se joue relativement bien également. Hein, donc le jeu est fun. Le jeu... c'est vrai que c'est un gros nom quand même, hein, International Superstar Soccer. En plus, Deluxe, tu t'attends à un truc de fou. Et bien, tu l'as. Voilà. Oh, le tir, c'est dommage, il y avait quelqu'un derrière. Oh, mais c'est toujours dans le même sens. En fait, je veux mettre dans l'autre sens, mais je n'y arrive pas. Parce qu'il ne faut pas dire je veux. Il faut dire je souhaiterais, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Belle tenue, attention. Oh là là, les Camerounais sont vraiment en folie. Oh, regardez-moi ça. Oh, ce petit contrôle avec le petit jongle. Tout va bien. Il reprend. Peut-être un hat-trick. Oh, Didier est toujours présent. On va temporiser. Là, les joueurs sont tous là-bas. Donc là, on peut faire une longue passe. Le 4-3-3 était présent. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'interface, mes petites pattes. Là, on peut aller à gauche. On va essayer de doubler tout ça. Centre en retrait. Attention. Attention, il n'y a personne dessous. Belle reprise de volée. Même retournée acrobatique, hein, on peut le dire. Alors, c'est la fin du match dans très peu de temps. On sait qui a gagné, mais on va essayer de tenter ça. Oh là 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 là. Mais combien de tirs? Combien de tirs, mes petites pattes? Je tape sur une vingtaine. Mais c'est fou. C'est fou parce que ce n'est jamais rentré. Et c'est vrai qu'au niveau de la difficulté, on peut la choisir en appuyant sur Select au début. Hein. C'était vraiment pas pour rien. Vous pouvez mettre mais 11 joueurs à 7, le truc... Le truc qui est possible, mais vraiment pas très équitable. On va faire la petite touche par là. Y a personne derrière. Bon, d'accord. Donc, ça sent le troisième but, mes petites pattes. Oh là 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 là. Il est parti tout seul. Je croyais qu'il voulait faire une dédicace au niveau des photographes. Et non, et ça finit sur un 2-0, même le score. Lose. Eh oui, bah tant pis. Même le score est affiché en 3D. Est-ce qu'on a les spectateurs sur cet écran de fin? Je ne crois pas, mes petites pattes. En tout cas, c'était un fabuleux match. Mais c'est surtout le jeu. Voilà, 12, tant pis. 13h23, donc vraiment ça a duré. Ah, mais ça c'est en temps réel pour le coup. Et voici les gradins, et c'est une super image. Alors, effectivement, ils ont changé le Coca-Cola en coco. Je sais pas si vous le voyez, les petites pattes. Comme ça, on paye pas. En tout cas, c'est super. Les écharpes étaient bleu et rouge, bleu, blanc, rouge aussi. Donc, avec le béret, on note ça. Et bien, c'est un super jeu, mes petites pattes. 27 tirs, voilà, 27 tirs à 11. Et c'était Batik et Mboua qui ont. Rappelez la mise, on peut dire ça comme ça. Et ben j'espère que ça vous aura plu, mes petites pattes, en tout cas. Ça, moi ça m'a plu. Moi ça m'a plu, hein, vraiment. C'est un super jeu. Je pense qu'à deux ça doit être sympa aussi. Est-ce qu'on a d'autres. Non, je pense pas, hein, puisqu'il y a le penalty kick qui peut être intéressant, c'est vrai. On va se mettre là-dessus. En tout cas, c'est cool. Hein. C'est cool. Est-ce qu'on a d'autres équipes qu'on n'a pas eu le temps de voir? La Suisse, tiens, ça c'est sympa. Face à la Belgique, ça peut être sympa aussi. Tiens, le Maroc. Non, c'est le Maroc. Tiens, ça fait longtemps. Tu vois, Belgique, on a déjà pris. Alors, on va se mettre peut-être Nigeria, USA. Bon, après, là, le terrain, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et on va mettre ça sous la neige pour voir vraiment les particules de Rirotter. Alors là, je ne les connais pas du tout. Ombro, alors là, je sais pas si. Je pense que c'était l'équipementier de l'époque. Hein. Ah oui, et là, en fait, on choisit les 5 joueurs qui vont tirer. Et puis après, c'est vrai que normalement, si on va au-delà de 5 tirs, eh bien, il faut y aller. Alors là, les détails sont fous. Regardez-moi cette petite patte. Alors, comment on tire là-dessus? On va essayer de la mettre en haut à droite, une petite patte, mais. En la cadrant aussi. Attention, on appuie sur triangle. Ça ne marche pas. C'est croix. C'est croix, mais c'était mou. Donc c'était peut-être cercle. On va tenter maintenant. On est le gardien. Hop. Oh, en fait, il fallait faire, j'ai compris. Cercle, vous allez voir ça, mes petites pattes. Donc en haut à gauche en lucarne. Cercle et en haut à gauche. Mais attends. Ben, vas-y. Hop là. Voilà, ça c'est parfait. Donc c'est-à-dire que en hauteur, c'est la touche cercle. Et en bas, c'est la touche croix. Donc là, on va essayer de tirer, d'aller en haut à droite. C'est parti. Ah, c'est au milieu.
Ah, c'était au milieu. Ça, c'est rageant. Donc là, on va essayer de la mettre par l'en bas à droite. Donc, il faut attendre le coup de sifflet. Hop, là, c'est parti. Ah, il l'arrête encore une fois. C'est magique. On va essayer de l'arrêter aussi. Steiner. Allez, t'es parti, mon kiki. Oh, il l'a mis au-dessus. Il l'a mis au-dessus. Et vous voyez qu'on peut déplacer le gardien avant de tirer. Ça, c'est quand même la folie. On va la mettre par là. En haut à gauche, mes petites pattes. La lucarne. Et oui, passer juste au-dessus. Il faut essayer de la récupérer. Donc on va se mettre en bas à gauche. Mes petites pattes. Oh mais c'était ça, mais il a glissé un peu trop. Oh, c'est dommage. Oh, on l'avait, donc c'est le dernier tir malheureusement. C'est fichu je pense. Hop là. Donc on va retirer là-bas, je pense qu'il va l'arrêter. Et voilà. Et voilà, donc c'est sympa aussi les séances de tir au but. Elles sont vraiment bien données. Oh, il reste au milieu. Parfait, donc il faut absolument qu'on l'arrête ici. Et je sais pas où c'est qu'il va la mettre. Je pense qu'il va la mettre en bas à droite. En haut à droite, en haut à droite. Allez, c'est parti. C'est parti en haut à droite. Il va tout donner. Ah, c'est dommage. On est parti un petit peu trop en cacahuète. Eh bien, voici une belle victoire. Il y a eu aussi le match. Et il y a eu maintenant les tirs au but. Donc voilà, donc assez complet. Eh ben, on va se laisser là-dessus. Mes petites pages, je vous dis matin et bon certains. Je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis ciao.